À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal aussi pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard. Vous pourrez entendre ce soir une nouvelle dramatique de Jean Lullien, Le rendez-vous de Frédéric et Le petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Jean-Marie Amato, Jean-Jacques Stein, Jean Mauvais, Guy Pierrot, Jean Bolo et Gaëtan Jor dans une nouvelle dramatique de Jean Lullien, Le rendez-vous de Frédéric. C'est pas une honte. Transformer ce local en garage. Oh, qu'on a un peu moins et travaille un peu plus. Je connais, moi, des jeunes ménages qui s'en seraient contentés. De... À condition d'aimer les rhumatismes. Regarde un peu dehors ce qu'il reste du plancher. Oh, on n'a pas une idée non plus de poser un lattis à même le sol. Hein, surtout avec un trou pareil au milieu de la quête. Hein? Tiens, un os. Un caillou? Non, c'est un os. Hein? On dirait même que... Des cheveux blancs. Oh, tire ton chapeau. Aide-moi à dégager à la main. C'est peut-être Annie. Qui ça? Annie, la patriote. Mais qu'est-ce qu'elle ferait là? Et puis tout ça, c'est de la légende. Hein, peut-être pas. Tu as déjà vu beaucoup de cheveux comme ça? Annie, c'était une étrangère? Non. Ses cheveux avaient poussé de cette couleur pour la distinguer des autres filles. On raconte qu'elle est partie en France après la révolte. On raconte. Personne n'en sait rien. Ils ont tous disparu, ceux qui l'ont connu. Frédéric le Français, Dinamitero l'Espagnol, Pedro et leur ennemi Ramirez. Ah oui, le colonel El Ramirez, le chef du contre-espionnage, oui, ou de la police, je ne sais plus bien. Oui. Quelques ossements, une poignée de cheveux blonds. Voilà tout ce qu'il demeure d'Annie la Patriote. Tout cela pour des histoires d'hommes, où chacun s'opposa avec ses armes et sa foi à l'adversaire du moment. L'aventure qui se déroula dans ce pays d'Amérique du Sud aurait tout aussi bien pu se passer en Espagne, en Chine, en France. Il y avait Pedro, le capitaine des rebelles, avec ses lieutenants, Frédéric le Français et Dinamitero l'Espagnol. La ville était aux mains de la police et de l'armée. Le peuple n'osait plus bouger et les patriotes se terraient dans les caves. Tout cela par la faute d'un seul homme, le colonel Ramirez, chef de la police secrète. C'est à ce moment qu'apparut la trop belle Annie. Annie était la fille la plus jolie et la plus honnête de la cité. Le colonel Ramirez en était discrètement amoureux. Annie et Frédéric le Français s'aimaient. L'état-major insurgé vit tout le parti attiré de l'affaire. Annie refusa d'abord de devenir espionne. Elle hésita lorsque de bons amis furent abattus par Ramirez. Elle accepta quand Frédéric la pria de prendre parti. Elle dîna avec l'officier ennemi, lui donna quelque espoir. Le piège claqua, fermé. Ainsi Annie fut engagée dans une aventure sans espoir. Prise entre la confiance des siens et celle de Ramirez, prisonnière de l'amour du Français, elle tenta de gagner du temps auprès du colonel. Mais le jeu d'espionne est sans pitié. Le jour approchait où Annie devrait choisir, car la lutte se faisait plus féroce entre gouvernementaux et rebelles. Malgré l'aide d'Annie, le groupe de Pedro, le capitaine, allait être détruit. Le colonel Ramirez triomphait sur toute la ligne.
Entrez. Mes devoirs, mon colonel. Vous transmettrez ces papiers au commandant. À vos ordres, mon colonel. Repos. Vous avez l'air fatigué, vous. Asseyez-vous. À vos ordres, mon colonel. Ah non, je vous en prie, asseyez-vous, allumez une cigarette, détendez-vous un peu. Je vous considère comme n'étant plus de service. C'est un ordre? Oui. Mais dites-moi ce qui ne va pas. Oh, tout! Nous avons capturé 27 agents de renseignement rebelles. Nous les avons questionnés. Épargnez-moi le détail. Nous avons usé de toutes les manières. Oui, je sais. Et même avec le nouveau, le petit Falerica, ça ne donne rien. Oh, il parlera, mais trop tard. Malgré tous nos efforts, malgré la surveillance et le secret, ces gens ont un moyen pour communiquer avec l'extérieur. C'est incroyable. J'admets que la police soit peu sûre, que les gardiens soient gagnés à la cause ennemie, mais nous... Nous avons pris la répression en main. Les espions sont bouclés dans le fort, gardés par nos meilleurs hommes. Pourtant, chaque fois que nous obtenons une adresse, un nom, l'ennemi est prévenu avant même que nous ayons le temps d'agir. Je préfère penser que c'est un code chez eux. Qu'ils ont un délai à respecter avant de faire leurs aveux. Non, je n'y crois pas. La trahison vient d'ici. J'ai mis au point un nouveau système. Vous n'en parlerez évidemment pas. Si, lieutenant. À vous. Car j'ai toute confiance. J'ai fait venir à prix d'or du sérum de vérité. De la scopolamine? Oui. Est-ce bien efficace? Nous en jugerons demain. Je reçois le paquet à 11h. Que pensez-vous du jeune Falerica pour l'essai? Il sort d'une commotion, un accident de moto, je crois. Il parlera. Oui, il connaît les chefs. Depuis son arrestation, on ne signale plus une seule émission clandestine. C'est presque dommage. Les camions de détection radio-goniométrique localisaient l'émetteur. 10 messages de plus... Et les coordonnées suffisaient pour les passer. Nous patrouillons sans arrêt et sans résultat. Mais bon sang, c'est invraisemblable. Ils ne peuvent pas dissimuler une antenne de 40 mètres. Techniquement, ils sont très au point. Le dernier émetteur que nous avons saisi fonctionnait par un système de relais téléphonique. Nous n'avons pris que le matériel. Oui, c'est à mettre au compte du nommé Frédéric le Français. De même que les opérations de harcèlement sur nos convois sont imputables au deal espagnol ou le dynamiteur. Il faut arrêter ces gens-là. Nous approchons, lieutenant. Multiplieront les patrouilles. Et laissez circuler la nouvelle que nous allons questionner Falerica avec de la scopolamine. Nous perdons le bénéfice de la surprise. Et il faut les déjeter, les obliger à fuir et à tomber dans notre filet. Leur interdire d'émettre au moment où nous préparons une opération surprise importante. Ah, j'ignorais. L'agitation augmente au sud, les rebelles se concentrent. Plusieurs milliers, tenez ici sur la carte, dans les monts Escarez. Mais nous aussi, nous avons nos agents. L'affaire sera brève et cruelle pour les irréguliers. Vous craignez que les espions de Pedro ne soient au courant? Ils le sont sûrement. Mais dans leur position actuelle, ils sont totalement impuissants. Et bientôt même, ils seront ici. J'aurai plaisir à les rencontrer. Pardon? Imaginez que nous les ayons eus avec nous. Je vous avouerai que les centaines des nôtres qu'ils ont fait tuer les dizaines de millions que nous coûte leur action ne me les rendent pas sympathiques. À moi non plus. Mais j'estime les gens qui travaillent proprement. Surtout lorsque je gagne. Où peuvent-ils bien se trouver? Là? Ici? Le secteur est vaste. Et pourtant, ils m'attendent. Sans me connaître. Salut, Pedro. Bonjour, Frédéric. Eh, dire bonjour devient une ironie. Ouais, il n'est pas encore temps de nous dire adieu. Je n'ai pas pu voir Annie. Ah, ouais, je m'en doutais. Rien qu'à voir ta tête. Et le petit Luco? Introuvable. Situation n'est pas bonne. Falerica va parler. Nous sommes bloqués ici par l'armée et nous devons passer des messages d'une importance capitale. Ouais, nous avons un camion de détection à moins de 100 mètres d'ici. Et maître équivaut à se suicider. Déménager revient à se jeter dans leurs bras. Ah, ce petit crétin de Falerica avait bien besoin de se faire prendre. Ah, du calme, Frédéric, du calme. J'ai confiance, moi. Car nous avons Annie. Annie. Le colonel n'est pas stupide. Elle ne pourra pas le faire marcher longtemps. Et pourquoi? Connais-tu beaucoup d'hommes qui acceptent indéfiniment qu'une femme les aguiche sans jamais rien accorder? Eh ben, Annie n'est pas une petite fille, hein. S'il faut céder... Ah, j'aimerais encore mieux me faire descendre que... Écoute-moi, toi, le Français. Tu es venu ici voilà 8 mois bientôt. Tu aimes Annie, je crois qu'elle t'aime. Mais sache bien que tes sentiments personnels sont au-delà de la frontière.
Nous n'avons pas le choix. Voici un message, tiens. Le gouverneur envoie blindés, artillerie et 3 régiments d'infanterie vers les monts Escarez. Voici un autre message. Parachutez, armes, mont Escarez. 3000 hommes à équiper, urgent. Si j'étais un héros, j'enverrais ces deux messages immédiatement, car ma peau ne vaut pas celle de 3000 paysans. Mais Annie, elle, ne reculerait devant rien pour les sauver, tu m'entends? Alors, la vie, la vertu, tout ça ne compte guère. 3000 qui vont se faire massacrer. Et nous avons le temps de passer ces deux textes avant que les soldats n'arrivent ici. Imbécile. Ah, tu commences à m'échauffer les oreilles. Français. 3000 hommes, d'accord. Mais c'est émetteur, Frédéric. C'est le dernier, tu m'entends? Le dernier de toute la région, et il vaut plus que tout. Plus que nos 3000 camarades. C'est la dernière liaison avec le haut état-major. Quoi? Hey, prends le pistolet. Ouais. C'est moi, Nico! Ah, enfin. Hey, ouvre-lui. Ouais. Salut. Salut. C'est moi, l'Espagnol. Je croyais t'avoir interdit de le fréquenter. Bah, j'ai un message d'Annie. Donne. Dis le français, c'est pas une lettre d'amour. Ah, tu sais ce que j'ai à te dire? Oui, je vois. Assis. Pardon. Vous la fermez l'un et l'autre. Et vous m'écoutez. Voici le message. Falerica va parler avant midi. Scopolamine. Eh ben, il manquait plus que ça. Oui, il y avait la chaleur, les moustiques. Maintenant, il y a la scopolamine. Il faut donc filer au plus vite. L'Espagnol est venu avec la camionnette. Mais nous ne ferons pas 100 mètres sans être arrêtés par une patrouille. Si nous demeurons, ce sera la descente en force. Pedro, j'ai cru bon de prendre une initiative. Hein? Laquelle? Dans 5 minutes exactement, 2 de mes hommes vont déclencher un feu d'artifice place Domingo Salvatore. Pour attirer les patrouilles. Elles ne pourront pas y résister. Nous passerons dès le début du baroud. Chapeau. Tu peux te le mettre où tu veux. Nous déménageons, je prends le poste. Ah, touche pas à ça. Prends garde, Frédéric. À ta disposition, j'ai horreur des anarchistes. Et moi, j'aime pas les bourgeois. Et moi, j'aime qu'on m'obéisse. Vous me fatiguez tous les deux. Allez, aidez-moi d'abord à ranger les archives. Luco, qu'est-ce que tu fabriques? Rien, je range. Ah bah ma parole, il boulotte mon déjeuner. Ça simplifiera le transport. Oui, et l'antenne. Bon, je vais la décrocher. Impossible en plein jour. C'est déjà un miracle qu'il ne l'ait pas repéré du fort. Mais si tu vas courir sur les toits et grimper sur le poteau... Je peux pas émettre sans antenne. Eh ben on en trouvera une. Luco, laisse ce pistolet tranquille. Il est beau, hein? Laisse-le où tu l'as trouvé. Oh, bon. Il fait partie de la décoration? Et Luco et toi, l'Espagnol, vous essaierez de joindre tous les agents de liaison. Qu'ils ne viennent plus ici. On fera ce qu'on pourra, mais nous n'aurons pas le temps de les prévenir tous. Ah, ben, à chaque fois que nous fuyons, nous perdons un ou deux braves garçons. C'est la guerre. Aidez-moi à boucler la valise. Trop pleine. Ah, bon Dieu, ça va durer longtemps, ces déménagements. Ouais. Je ne vois pas d'autre solution. Hey, et si on tuait le colonel? Ouais. C'est... Qu'est-ce que tu en penses, l'Espagnol? Beaucoup de bien. Et toi, le français? Ah, j'en rêve. Ça ne doit pas être facile. C'est un choix. Tuer ou mourir? Il doit se garder. Être entouré de tueurs. Qu'en penses-tu, l'Espagnol? J'ai souvent envisagé le problème. Évidemment, il se protège. Mais si Annie lui fixait rendez-vous dans un coin tranquille, viendrait-il avec une escorte? Tu pourrais même charger Annie de l'exécuter, non? Elle le ferait. Ou du moins, elle essaierait de le faire. Moi aussi, j'ai mon idée. Celle-ci, moins ignoble. Assez. Je ne suis pas général, mais ici, c'est moi qui commande. Et je déciderai si nous devons ou si nous ne devons pas tuer le colonel. Nous en ferons alors la demande officielle. Pour l'instant, nous déménageons. Dynamitero, prends ses 2 valises. Luco, prends les accus et commence à charger la voiture. Fred, occupe-toi du poste. Oui, oui. Mais j'irai voir Annie pour savoir ce qu'elle pense de l'idée du dynamitero. Ah oui, ouais, c'est vrai. Rien ne dit qu'elle accepte. J'ai peur, Pedro. Que savait le petit Falerik? Connaissait-il Annie? Ouais, j'ignore. Et s'il a prononcé son nom au cours de ses aveux? Elle se taira, elle. Et le colonel saura s'en servir pour nous prendre. Nous n'y pouvons rien. Et dépêchons-nous, c'est tout. Eh bien, Frédéric, qu'est-ce qui ne va pas? À tous, local est impossible. La police occupe déjà l'autre. Mais je ne peux pas émettre à voix avec le rideau d'arbres devant. Tu émettras en morse. Remercions le ciel et Annie. Est-ce que tu l'as vu? Non. Non, j'y vais maintenant. Bonne chance.
C'est l'Espagnol. Ouvre-lui en partant. Oui, oui. Salut, l'Espagnol. Bonjour, petit Hugo. Salut. 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 Bonjour, Pedro. Je viens aux nouvelles. Ouais. Fermez la porte. Pas brillant, le nouveau quartier général. Non, pas très. Mais il possède deux issues. Et au sujet du colonel ? Rien de nouveau. Il a occupé notre siège précédent. Nous allons y mettre ce soir. Mais Frédéric dit que nous en avons pour un quart d'heure. Un quart d'heure d'émission continue ? Oui. Suicide ! Si l'armée n'arrive pas avant le dernier stop, nous devrons encore déménager. Dis-moi, l'Espagnol, tu as vu beaucoup de groupes dans le genre du nôtre ? Plusieurs. Sommes-nous fichus ? Mal parti. Le colonel Ramirez est diablement fort. Si j'obtiens l'autorisation, peux-tu... L'exécuter ? N'imagine pas que nous le connaissons, c'est un coup difficile, mais je peux le gagner à la tulipe. Ce qui veut dire ? C'est un truc à moi. Dans le temps, il y a longtemps, j'ai juré à ma mère de lui planter un parterre de tulipes. Tant que j'aurais pas tenu parole, je peux pas mourir. Alors, il nous faut songer à ce... à l'action. J'ai donné mon idée. Rendez-vous avec la fille. Un peu de respect. Rendez-vous avec Annie. Frédéric est allé lui en parler. Oh, celui-là. Mais qu'y a-t-il entre vous ? Entre Frédéric et moi ? Il n'y a rien. Eh bien ? Simple question d'ordre dans les vertus. C'est-à-dire ? Il y a plus de 20 ans, j'ai étudié la philosophie et la politique. J'ai pris les armes pour défendre mes idées. C'est en Chine que j'ai tout perdu. Là-bas, les sages dénombrent 9 vertus. La 9e et dernière est le courage guerrier. Toi, Frédéric le Français, Annie, vous pouvez vous partager les 8 premières. Moi, je possède la dernière, celle des brutes ou des sages. Arrive au fait, veux-tu ? Frédéric le Français rêve de charge à la baïonnette de bagarre, mais il est depuis longtemps cloué à son poste émetteur, alors il m'en veut. Comme je lui en veux, moi, de ce genre d'héroïsme dont je serais incapable. Ce qu'il faut éviter, Pedro, c'est que le Français change de clan. Il est de la caste qui sait bien se faire tuer, mais qui ne sait pas tuer. Tu me comprends ? Dans nos affaires, l'important n'est pas de supprimer un semblable, mais bien de ne pas le rater. S'il exige de tirer le colonel, je ne réponds de rien. Annie et lui doivent se marier si nous gagnons. N'a-t-il pas le droit ? Non. S'il était capable d'appuyer sur une gâchette et de loger une balle dans un homme comme ça de sang-froid, je dirais oui. Mais à ce genre de type, un simple geste ne suffit pas. Il faut des mobiles, des pensées. Il gâcherait tout. Minute. Tiens, tu es toujours là, petit Luco. Eh ouais. C'est moi qui ai parlé d'abattre le colonel le premier. Vous, il vous faut un piège. Il vous faut Annie. Moi, j'ai cherché, j'ai trouvé. Ah ? Oui. Pour se rendre au café où Annie l'attend, Ramirez parcourt 300 mètres à pied. Sur son chemin, je sais un porche de maison très bien placé. Et l'on peut fuir par les caves jusqu'à 2 rues plus loin. Intéressant. Explique-moi ça. À toi ? Parle, mon petit. Quoi ? Alors, juste une question. Ramirez, a-t-il rendez-vous avec elle ce soir ? Je crois, oui. Bon, ben alors, organisez votre chasse au tigre. Vous êtes certainement très malin, mais moi, je ne veux pas qu'Annie risque sa vie. Adieu ! Petit Luco ! Laisse-le, il veut faire son intéressant. Un brave gosse. Il est amoureux d'Annie. C'est la mode. Mais revenons à Fred. Ouais, tu lui en veux. J'ai vu trop de gars se prendre pour des tueurs. Donnez-moi votre pistolet. Quoi ? J'assure avec les miens la protection du groupe. Vous n'avez pas besoin de cette arme. Elle est à Frédéric. C'est pourquoi je la veux. Cet imbécile est capable de tout, il est jaloux. Il sent que l'heure arrive où Annie devra jouer le jeu avec tous ses atouts. Ça le rend malade de rage. Ouais, tu as raison. Nous avons trop besoin de lui autrement. Tiens, son pistolet est... Mais il le rangeait dans ce tiroir. Il n'y est plus ? Regarde-toi-même. Trop tard. Qui l'a pris ? Frédéric. Ou Luco. Si c'est Fred, il tire bien. Si c'est le petit Luco, c'est même pas l'armée. Mais il ne reste plus qu'à le rattraper. Moi, je saute dans ma voiture, je fonce vers la caserne. Espagnol ! Ne va pas te faire prendre. J'essaierai. Dans 10 minutes, le colonel sort de son bureau, je vais emmener 2 gars avec moi. Tu vas tenter de le... Attends-moi ! Je vais essayer de les rattraper !
Colonel Ramirez, j'écoute. Ah oui? Alors, merci. Du nouveau, mon colonel? Non. Il est avéré que tous les hommes présents lors de l'interrogatoire de Falerica sont hors de soupçon. Pourtant, quelqu'un a parlé avant même que nous ayons tendu notre filet. Oui. Les rebelles se sont sauvés le matin, 2 heures avant la mise en place de notre dispositif. Quelqu'un les informe de première main. Nous sommes 5, à tout connaître. Oh, après tout, c'est peut-être un hasard. Nous avons capturé 27 hors la loi en 2 mois. Je veux bien que là, nous ayons eu de la chance. Mais depuis 15 jours, la veine de ces gens dépasse tout. Chaque fois que nous obtenons une information importante, une adresse, un nom, ils le savent. Nous avons enquêté sur chacun des nôtres. Enfin, presque. Presque? Il n'y a plus que vous. Moi? L'ampleur des fuites prouve la qualité de l'informateur. Ça, par exemple. Mais vous m'accusez. Je répète ce que j'entends dire, mon colonel. Et qui me soupçonne? Personne ne vous le dirait en face. Vous auriez dû en faire autant, lieutenant. Vous m'avez trop fait confiance, mon colonel. Je ne peux pas vous mentir. Vous croyez-vous en ces insultes? Un bel homme attire les belles dames. Et il y a oreille dans le mot oreiller. Gardez-vous! Vous resterez aux arrêts de rigueur jusqu'à nouvel ordre. Oui, mon colonel. Et j'ignore encore la sanction que je vais prendre. Les gens de votre espèce ne méritent pas la confiance. Lieutenant, vous avez sans doute l'habitude des filles. Vous n'avez jamais rencontré de dame. Un jour, je vous présenterai ma femme. J'attends des excuses. En attendant, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Rompez! Imbécile. Annie. Non, ça se peut pas. Elle a déjà oublié ce que j'ai pu lui dire. Elle n'a rien à voir là-dedans. Sûrement rien. L'Espagnol. Oui, Pedro. C'est de la folie pure de rester ainsi devant la caserne. Frédéric ou Luco. L'un des deux va passer. Regarde. Partout des gardes civils. Celui qui voudrait abattre le colonel ici serait condamné, sans appel. Nous allons nous faire prendre. On nous regarde. Oui. Remontons dans la voiture. Peut-être que le petit Luco passerait par ses caves pour s'embusquer. S'embusquer où? Sous l'un de ses Porsches. Filons. Tu vas rechercher, et s'il nous arrête... Ici, c'est Frédéric, le Français. Nous ne pouvons pas le perdre. Personne ne saurait se servir du poste, s'il... Oui. Il ne l'ignore pas, lui non plus. Il ne ferait pas ça. Bon, nous allons passer une dernière fois devant les immeubles. S'il nous voit, il hésitera peut-être. Si c'est lui... Il est là. Là, Fred ou Luco. Et nous n'y pouvons rien. Rien. Souhaitons qu'il réussisse. Allez, filons. Vite. Voilà Pedro et l'Espagnol. Ils me cherchent. Non, je viendrai pas. Eux et Fred, c'est tous des lâches. Ils veulent se servir d'Annie. Des lâches, que c'est. Il faut faire comme l'Espagnol m'a montré. Viser bas. Et tirer sans se presser. Et tuer le colonel. C'est l'heure. Il va venir. Bon, armer le pistolet. Voilà. Ôter le cran de sûreté. Visez bas. Oh, c'est lui. Dieu. Colonel! On a tué le commandant major! Pedro. Ah. Te voilà, Frédéric. Le petit Luco, mort? Mort. Il a descendu un commandant d'infanterie. Tiens, voilà ton pistolet. Mais c'est de la folie, explique-moi. Rien à expliquer.
Il ne connaissait pas Ramirez, et voilà. Au lieu de fuir par ses caves, comme il disait, il s'est sauvé dans la rue. Ils l'ont rejoint. Robert et ses gars ont ramassé le corps dans l'égout. Et ton pistolet? Mais c'est impossible, dis, c'est pas lui. Tais-toi. Robert va l'enterrer provisoirement. Plus tard, nous verrons. Et sa mère? Nous avons une nouvelle antenne. Branche-la rapidement. L'assassinat de ce commandant va déclencher des représailles. Il faut demander l'autorisation de liquider Ramirez. Eh bien, vous fermez même plus la porte maintenant? Bonjour Fred, content de te voir. Pardon? J'avais peur que ce soit toi et non Luco. Où est-il? Je l'ai fait enterrer chez nous. Ah, il en a fait de belles. Les avis sont sortis, les 27 camarades prisonniers seront fusillés demain matin. Mais le plus grave, c'est que le colonel a compris l'erreur. Il était à 100 mètres derrière le commandant abattu. Ah, quelle poisse. C'est à pleurer. Et voilà nos meilleures chances envolées. Ramirez s'est démasqué, désarmé pour l'avoir. Il va s'entourer de toutes les précautions. Déjà, comme ça, c'était difficile. Il avait deux tueurs avec lui, c'est eux qui ont rejoint Luco. Luco, le petit Luco, ils ont tué un gosse. Oh, ça suffit, mon vieux. Si un enfant te tirait dessus, je voudrais bien t'y voir. Mais bon sang, si tu faisais ton travail, ça ne serait pas arrivé. Monsieur ne prend pas d'initiative. C'est trop facile à la fin. Ça va pas, non? C'est toi qui aurais dû y aller. Mais toi, si j'assistais suivant mes sentiments, tu risquerais de gros ennuis, toi. Toujours à ta disposition. Je commence à en avoir jusque-là de ta sale figure. Je me demande lequel de nous deux est un anarchiste incapable d'obéir. Je n'ai qu'à lâcher l'abri d'un méga et les bureaux de tabac, les banques, tout y passera. Allez, va lire des romans policiers dans ton pays, fiche-nous la paix. Compris? Je commence à comprendre pourquoi tu as survécu à 20 années de guerre. Avec un bon lit de camp, tu pourrais continuer 100 ans, tiens. Bien. Ça va mieux? Non, moi j'ai quelque chose... Ah si. Et l'affaire? Je vous ai laissé vous soulager, mais au premier mot entre vous, je cogne. Pardon? Si vous ne comprenez que ça, vous allez avoir affaire à moi. Vous êtes ici sous mes ordres, un point c'est tout. Quelque chose à rajouter? C'est assez clair, hein? Ouais, nous t'écoutons, bah... Voilà un an que vous vous empoignez par le col à tout bout de champ. Bah, tapez-vous sur la figure à bon coup. Et nous allons mettre au point notre plan d'action. Frédéric, as-tu vu Annie? Oui. Tu lui as parlé? Quelle est sa réponse? Elle refuse d'être responsable d'un meurtre. Traduction, elle n'a pas osé accepter, étant donné la façon dont le français a dû lui présenter les choses. Non, dit la Mitterrand. Elle connaît le colonel Ramirez. Et elle le voit trop. Ah, diable. Elle l'aime? Oh, pas encore. Mais Ramirez a toute confiance en elle. Elle essaie même de l'empêcher de parler. Annie est le seul être au monde à qui Ramirez ne cache rien. Tiens, les relations sont plus intimes que je ne croyais. Non, 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 peut-être pas. J'ai ouï dire que le colonel était un homme pur et très sympathique. Et Annie prétend même le ramener à notre cause. Ouais, elle est folle. Qu'il se suicide, j'admets. Mais ça, non. Oh, les femmes! Nous n'avons malheureusement pas le temps de voir jusqu'où Annie pourrait le conduire. Passez votre message de demande, moi j'organise l'action. Faut agir vite, Annie va nous claquer dans les doigts. Je n'y crois pas. Il faudra qu'elle efface son instinct maternel, c'est tout. Non, Frédéric a raison, nous devrions nous organiser sans elle. L'enjeu vaut la chandelle, je me charge du travail, d'accord? En ce cas, dépêche-toi de planter tes tulipes. Ah voilà l'autre qui se met à jouer les pro-chevaliers maintenant. Monsieur fait du sentiment. Dis donc, Pedro. L'espagnol? Je ne remettrai les pieds ici qu'en l'absence du français, c'est clair? Je ne veux pas le tuer, mais je ne peux plus le supporter. Organisez votre affaire, sans moi ou sans lui. Adieu. Tu es content, Frédéric? Eh, nous n'avons pas besoin de lui. Oh, tu te gonfles un peu. Est-ce que tu as déjà tué? Oui. D'homme à homme? Délibérément? Non. Un jour, j'ai dû, pour sauver ma peau, tuer un homme à coups de machette. Bah, tu as pu? Oui. Parce que j'avais peur. Mais je sais qu'il me serait impossible d'abattre un homme de sang-froid. Je ne serai pas de sang-froid. Je hais le colonel Ramirez. Nous avons trop besoin qu'il meure pour que je juge tes actes. Revois Annie. Dis-lui comment notre petit Luco est mort pour elle. Ouais, j'y vais. Et sitôt après, nous expédions tous nos messages. Il faut maintenant que je rappelle l'espagnol. Car après l'émission, il faudra fuir encore. Ouais, je sais, je sais. Mais une fois Ramirez exécuté, tout ira bien pour nous. Ramirez. Quel dommage. Mon colonel, vous m'avez fait demander? Repos, lieutenant. J'ai fait lever votre punition. Vraiment? J'ai plus de cigarettes.
Vous m'avez fait appeler pour ça? Non. Seyez-vous? Moi? S'il vous plaît. Cigarette. Voilà. Le commandant Mayor a été abattu hier soir. À ma place, oui. Et avec mes hommes, nous avons rejoint le tueur. Je sais. Nous l'avons tué dans l'égout principal. Les vilains travaillent. Un gosse, lieutenant. Un enfant. Sans doute les rebelles n'ont-ils plus d'hommes. Lieutenant, soyez franc. Nous disposons de l'armée. Qu'avons-nous avec nous, hormis quelques mouchards? La foi. Le peuple n'est pas juge, il ignore qui est son ami ou son ennemi. Je ne sais plus. Beau travail. Pardon? Celui qui jette ainsi le doute n'est pas n'importe qui. Enfin, je dis celui ou celle. Je suis fatigué. Mais on dit que vous prenez une permission. J'ai besoin de me reprendre, je ne sais plus où j'en suis. Au moment où tout est en jeu. Je ne sais plus. Je suis trahi par moi-même. De chasseur, je deviens gibier. Ma vie devient impossible. Ramirez! Pardon. Mais secoue-toi, bon sang! Nous touchons au but. Il faut prendre Pedro, Frédéric le Français et le Dynamitero. Après, ce sera terminé pour toi. Tu m'entends? Dis! Je t'entends. Je vais partir quelques jours à la campagne, n'importe où. Avec Annie? Seul. Au revoir, lieutenant. Mon colonel, vous partez? Un rendez-vous. Mon colonel, si jamais il vous arrive quelque chose, je vous jure qu'elle n'ira pas loin. Il ne m'arrivera rien. Non, j'appelle vos gardes. C'est un rendez-vous d'amour, lieutenant. Oui, d'amour. J'espère. Frédéric. Pedro. Qu'est-ce que tu fabriques? Je me rase. Oh, bah c'est vraiment le moment. Mais qu'est-ce qui fabrique l'Espagnol et ses hommes? Nous avons encore le temps. Annie rencontre le colonel à 7 heures. Comment a-t-elle pris la chose? L'exécution? Elle n'a rien dit. Il n'y a plus le choix. J'admire ton sang-froid. Dans 20 minutes exactement, tout sera terminé. Ah! Eh bien, tu t'es rasé ou haché la viande? Eh, passe-moi mon pistolet. Fred. Pedro. Laisse faire l'Espagnol. Il a accepté de prendre part à l'expédition. Laisse-le tirer. Il n'est pas plus adroit que moi. Oui, c'est possible. Tiens, mais... les voilà qui arrivent. Voilà l'Espagnol. Fred, réfléchis. Il est encore temps. Trop tard, Pedro. Salut. Vous êtes prêts? Ouais, oui. Je suis venu avec 6 gars et 4 mitraillettes. Voici l'itinéraire. Nous rejoignons le square par la route normale. Première voiture, Pedro au volant, moi à côté. Frédéric à l'arrière droite avec un de mes gars. Nous passons à gauche du jardin. Toi, Pedro, tu conduis calmement. Hein? La seconde voiture. Les 4 mitraillettes. Vous avez établi votre plan en pensant à tout. Pourquoi? Le colonel, s'il vient au rendez-vous d'Annie, je dis s'il vient. Le fera-t-il sans précaution? Il est presque impossible qu'il ignore les sentiments d'Annie. Il est probable qu'il se doute du piège. Il est certain que nous risquons tous d'y passer. Ah oui, et alors? En cas d'hésitation ou d'échec de ta part, mes hommes balayeront Ramirez à la mitraillette. En cas d'embuscade, ça sera pareil. Et Annie? Il est l'heure, en voiture. Tiens, Frédéric. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des lunettes de soleil? Quand nous arriverons au point de chute, tu auras le soleil couchant en plein dans les yeux. À l'écouter, nous avons beaucoup de chances d'échouer. Du tout. J'envisage toutes les éventualités. Tu as peur, peut-être? Bien sûr. Et toi, Pedro? Oh, moi, j'avoue bien humblement que les événements me dépassent. Il s'agit pourtant d'une action simple. Ce rendez-vous de Frédéric est un jeu d'enfant, vous verrez. Toi, le tueur, est-ce que tu me permets de prendre ta place? Tu aimerais avoir un colonel à ton actif, hein? J'en ai déjà un, merci. Je pense simplement que jamais je n'ai touché à tes radios, qu'il n'y a aucune raison pour que tu fasses mon boulot. Il a raison, Frédéric. Il a raison. Eh ben, nous perdons du temps. Annie m'attend. Rien à faire, Espagnol. Oh, que la peste l'emporte! Rassure-toi, Pedro, le Français est un tireur d'élite, il fera l'affaire. Tu crois? Je m'y connais. Il faut que Ramirez disparaisse. Quoi qu'il advienne, il meurt ce soir. Je ne voudrais pas qu'il arrive malheur à Annie. Aucune raison. Dépêchons-nous maintenant, viens. Dans 10 minutes, nous devons être en place. Attention, les enfants. Nous y sommes.
Il y a déjà un bon point pour vous, Ramirez n'a pas tendu d'embuscade. Pedro, roule moins vite encore. Ouais. Tu prendras ton virage très largement en douceur, pour attraper ensuite une ligne droite impeccable. Ouais. Toi, le français, ça va ? Oui. Bon, respire à fond. Essuie-toi les mains. La tremblotte disparaît au bon moment. Ne pense à rien. Faut faire ça machinalement. Tu appuies ta pétoire à l'angle de la vitre. Prends ta hauteur maintenant. Pas si haut, bas, bas. Mais fais ce que je te dis, c'est du boulot facile. Compte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça absorbe les pulsations, ça évite de penser. Ne pas penser, hein. 1, 2, 3, 4. Tout le monde la ferme à partir de maintenant. Et chacun des autres pense. Feu d'artifice, coucher de soleil, boulot tout calme, tout simple. C'est ça, mon fils. 1, 2, 3, 4. La liberté, la vie, le mariage avec Annie, la vie douce. Dans 15 secondes, la cible apparaît. Une silhouette noire, du bois bien découpé. Tu vises le nombril de l'ombre pour la plier en deux. 1, 2, 3, 4. Pan, 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 pan. Tu ne bouges pas ta ligne d'un pouce. C'est l'autre en s'inclinant qui va s'offrir un impact. C'est vraiment le boulot idéal. Là, tout le monde se décontracte. C'est tellement plus facile. On ne pense plus. Tu comptes, tout doux. Et voilà. À toi, vieux frère. Il nous a vus ! Tire ! Mais tire ! Annie ! Stop ! Stop ! Arrêtez ! Assez ! Le colonel Ramirez est mort. Annie, ma petite Annie. Aide-moi à la transporter. Annie, touche pas. Annie. Mais grouille, prends un peu. Allez, Ibanez, prends le volant. Chez nous, à fond. Vous avez tué Annie. Mais non, abruti. Elle vit. Espagnol, est-ce que c'est grave ? Sérieux, il fallait la conduire à l'hôpital. Toute la police la recherche. T'as pas vu le petit Lico, toi, quand ils l'ont eu ? Mais un docteur, quoi, il faut faire quelque chose. Tu en as assez fait comme ça. J'ai tué Annie, c'est abominable. La ferme ! Aidez-moi à préparer le local, il sert à tout, salle d'opération, tout. Didi, Roberto. Qu'est-ce qu'il y a, mon pote ? Est-ce qu'elle va mourir ? Non. Avec cette blessure, elle doit s'en tirer. Avec un bon docteur. C'est ma faute. J'ai crié. C'est la faute du colonel. S'est mis devant elle pour la protéger. Pauvre type. Quand je l'ai vue tomber, elle... Elle aurait dû se jeter par terre. Mon mitrailleur aurait fait le reste. Mais non, toujours droite. Qu'est-ce qu'ils fabriquent avec leur toubib ? Ça fait plus d'une heure. Il doit y avoir des barrages, des rafles. Mais nous ne pouvons pas la laisser comme ça. Si son destin est de mourir... Pedro. Hein ? À 21h, le grand quartier général sera à l'écoute. Vous avez des messages importants à passer. Des messages ? Oui. Annie, ma petite Annie. Frédéric. Mais foutez-moi la paix, foutez-moi la paix ! Bel homme, Frédéric le Français. Allez, debout. Vous avez 15 minutes d'émission continue. Avec ce temps et l'alerte générale, vous avez 9 chances sur 10, y restez-vous aussi. Prête-moi 2 de tes hommes. Nous allons émettre 5 minutes à notre APC. Et nous déménagerons. Et nous passerons quelques messages du hangar. Puis nous viendrons ici pour terminer. Dangereux de trimballer un émetteur ce soir. 3000 copains demandent de l'aide. Et le GQG ne sait pas qu'on envoie 10 000 gardes noirs contre eux. Et Roberto, tu veilles, hein ? Je ne bouge pas d'ici. Tiens, il y a longtemps que tu as envie de mon pistolet. C'est un bel instrument de travail. Prends-le, tiens, prends-le. Moi, Annie, il suffit, tiens. Allons-y, le français. Allez, à tout à l'heure. Elle sera sauvée, ne faites pas des andouilles, hein. Prenez les 2 copains et la 2e voiture. Allez, Ibanez, branchons les phares, préparons la table d'opération. Faut faire quelque chose. Aucun toubib ne viendra. Et quand il en viendrait, hein, c'est un chirurgien qu'il faudrait. Elle est belle, hein. Pas pour longtemps. C'est terrible tout de même, ces civils qui se prennent pour des soldats. Tu parles d'un travail. Des fils. Tu rapporteras aussi la pelle et la pioche. On l'enterrera ici même, comme petit Luco. Le rendez-vous de Frédéric, une nouvelle dramatique de Jean Lullien,
avait pour interprète Jean-Marie Amato dans le rôle du colonel Ramirez, Jean-Jacques Steen, Pedro, le chef des rebelles, Jean Mauvais, Frédéric le Français, Jean Bolot, le dynamitero, Gaëtan Jorre, le lieutenant, avec Yves Duchâteau et André Vasselet, la récitante Juliette Jérôme, bruitage Gabriel de Rivage, prise de son Jean Delanduc, opérateur Charles Marier.